Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Sherlock Holmes, The Devil Daughter, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Est-ce que c'était Sherlock Holmes ou c'était juste un... Bonne question. Oh, c'est chez eux. Watson. Ils semblent plus jeunes. Oh, veuillez m'excuser, oh, veuillez je vous dérange? Oh, c'est en français. Non, je vous en prie. Entrez, madame... Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes. Oh, je n'ai pas eu le plaisir de... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider? Oh, ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il? Oh, cet enfant qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Que lui est-il arrivé? Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte. Oh, bon sang. Pauvre garçon, viens te réchauffer près du feu. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier? Eh bien, je... Nous ne risquons pas de déranger... Vous savez qui, n'est-ce pas? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Vous commencez à m'inquiéter. Voyez-vous, Monsieur Holmes est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asocial. J'ai tout essayé,
C'est un cas pathologique incurable. Mais tout cela doit rester entre nous. Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. Il est probable que s'il refuse celle qui se présente, son état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre. D'accord, d'accord. Merci, Miss. Et on change ça. Changer ça. Alors, mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdue, vous savez. Je sais pas quoi faire. Comment s'appelle-t-il ? George Hurst, monsieur. Disparu ? Et qu'en dit la police ? La police ? Ils veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais c'est pas vrai. Non, bien sûr. Tes vêtements sont reprisés et tu sais lire. Tes parents sont pauvres, mais tu ne manques pas d'affection. Oui, enfin. Y'a que mon père. Parce que ma mère, elle est morte quand j'étais petit. Raison de plus pour qu'il ne t'ait pas abandonné. Ton père n'est pas du genre irresponsable. Il s'occupe bien de toi. C'est vrai. Mais il n'a pas vraiment de travail. Il est obligé de faire des petits boulots. Des petits boulots payés à la journée. Quand on le paye. Sauf que cette fois, il n'est pas rentré à la maison. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? C'était il y a 3 semaines. Il est parti travailler, mais il allait pas bien. Il était bizarre, et il était en colère. Bizarre ? Comment ça ? Il m'a dit : fiston, je pars pour un travail spécial. Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici. Il a dû lui arriver quelque chose. 3 semaines ? C'est long. Tous les jours, j'espérais, je m'attendais à le voir arriver. De toute façon, je sais me débrouiller seule. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Rien. Je réfléchissais. Très bien. Ton adresse, Tom ? 12 Dorset Street, premier étage, porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom ? Ton affaire est le remède qu'il me fallait. Je te retrouve là-bas. Oh, merci, monsieur. Bon.
pauvre enfant. Holmes, vous devez l'aider. On va aller s'habiller, on y va. Allons-y. Ces rues sont trop étroites pour le fiacre. Je vais devoir marcher. Voilà, c'est là qu'on habite, monsieur. Bon. J'espère que vous trouverez mon père. Je vous le souhaite aussi. Tom doit lire le soir. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Un lot de vieux livres d'occasion. George Hurst essayait de donner à son fils la meilleure éducation possible. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il a mis son manteau au clou pour ça. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. De vieux vêtements, sales et usés. George Hurst a fait toutes sortes de métiers. Un homme dur à la tâche, apparemment. Hurst a payé ses factures en avance, ce qui a permis à Tom d'être à l'abri du besoin. Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Mon père m'a parlé d'elle, mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hurst a disparu. On préparait une soupe paysanne. Un plat astucieux pour quelqu'un sans compétences culinaires. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hurst a disparu.
Sherlock Holmes, je comprends. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. Il fait trop sombre. Un lot de vieux livres d'occasion. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a... Sacoche en cuir ? Que contient-elle ? Bonjour, George. Je sais que vous avez du mal à trouver du travail. Et que votre fils a besoin de nourriture et de vêtements. Je joins à cette lettre le prospectus d'un pub. Il paraît que là-bas, un gars propose un travail spécial. Peut-être cela vous aidera, je l'espère. Quelques vieilleries, c'est tout. Bien sûr, Seigneur Sith. On a commencé à nouveau Sherlock Holmes. J'espère que vous trouverez mon père. Un lot de vieux livres d'occasion. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je... Il est rendu en français maintenant. Au niveau vocal. De vieux vêtements, sales et usés. Le pub The Old Tabard. Le pub The Old Tabard, sur North Street. Le pub The Old Tabard, sur North Street. Après ça, on va jouer à un jeu qui s'appelle The Evil Wedding. Turbo va arriver, on va jouer à ça. Le pub The Old Tabard. Le pub The... Le pub The Old Tabard. Le pub The Old Tabard. Ah, faut peut-être j'y vais. Ok, c'est au bout de la rue. Faut changer de là, j'y vais par moi-même. Et c'est plus comme avant, là. Je suis rendu en arrière de la maison. Il
Le dernier, je l'ai joué, c'est un monde ouvert. C'est encore plus compliqué, là, mais... Bon. C'est 7, le pub. Je n'ai pas soif pour l'instant. Ok, je tu peux pas... Je n'ai pas soif pour l'instant. Toi. J'ai pas fini de fouiller le logement encore. Oh, shit. Genre, mais... J'ai pas joué beaucoup à Walking Dead. J'aimerais peut-être les faire éventuellement. J'en avais joué à un, là, je les avais achetés. Ma merde. Je suis désolé. Je vais monter en haut de nouveau, là. Ah, j'ai fini en haut. On va y aller. Et ça commence mal. Première place, puis je commence déjà à bloquer, c'est beau. On préparait une soupe paysanne. Un plat à moins que je veuille, je peux parler aux jeunes, peut-être. J'espère que vous trouverez mon père. Ouais, c'est ça. Ah. Voilà pourquoi tu es venu me voir. Un lot de vieux livres. C'est mon... Un lot de vieux livres. C'est mon... Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hurst a disparu. On prépare... Ma mère, monsieur. Je suis... Oh. George Hurst a fait toutes sortes de métiers. Un homme dur à la tâche, apparemment. Il est là-dedans. Ça fait 4 fois que je prends... C'est à moi qu'il y avait quelque chose dans le dos, je l'ai pas vu, là. Oh, c'était... C'est juste cliquer dessus, ben tabarnoune. Se renseigner sur le travail spécial de... Bon. C'est juste ça que j'avais à faire avant moi. Le pub dit au tabard. Ton père t'en a déjà parlé, Tom? Il y va souvent. Mais c'est pas un ivrogne, monsieur. C'est pas loin. C'est sur North Street. Bon, c'est fini. Fallait forcer un peu. On l'a eu. Oh. Bonjour, monsieur Holmes. Tiens, hey, c'est lui. Wiggins. Wiggins. Tu as trouvé un travail, à ce que je vois. Si on veut. Je déteste ça. Mais si vous avez un vrai travail pour moi... J'aurai peut-être besoin de toi plus tard. Attends-moi là. Comment je fais pour... Ah, non. Je vais tendre l'oreille pour découvrir qui propose ce travail spécial.
Tabarnak et mouche. Les patrons feraient mieux de se méfier. La grogne, c'est contagieux. Ils ont racheté des nouveaux affaires. Là. Ok, là, calme-toi, là, tu vas l'avoir. Ah, bah, ouais. Je suis supposé rester là-dedans tout le long, il n'y a pas d'automatisme. Ok. Gauche. Droite. Gauche. Tabarnak. Hey, j'y arrive pas. Hey, je suis vraiment mongol. C'est moi qui ai atroce, tabarnak. Hey, j'ai aucune synchronisation. Wow. Le gars qui propose son travail spécial, il a une sacrée paire d'euros flaquettes. Ah, tout ça pour ça. Ça va se placer, hein. C'est moins pire là, là. Pour la classe ouvrière. Je suis content d'être mon propre patron. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ou à Watson. Les patrons feraient mieux de se méfier. La grogne, c'est contagieux. Y a pas l'air bien, hein? Bon. Dieu, ni maître. Je ne peux écouter personne d'ici. Spécial. Ainsi, l'homme que je cherche a des roues flaquettes et ne boit jamais d'alcool.
ce n'est pas lui. Grâce aux lois sur le travail des enfants, les petits vont aller... Le mécanisme a changé. Hein. Ça va prendre un peu de temps avant que je m'habitue de nouveau. Ah, c'est peut-être lui. Il doit boire de l'eau. Hein. Non, c'est lui. C'est sans doute l'homme que je recherche. Lui d'avant, il n'y avait pas de voix en français. Celui-là, il y a une voix en français. Déjà là, ils ont évolué. Le troisième que je joue, celui-là, c'est dans le milieu. Et c'est dans le milieu comparativement aux autres. Mais le dernier qui est sorti, il se passe avant les deux premiers. C'est avant qu'il rencontre Watson. Oh. Un avis de recherche. Je vais essayer d'en savoir plus. Débatteur, Monsieur Johnson, Strobridge a disparu de Dorset Street dans les circonstances mystérieuses. Si vous avez des informations, merci de contacter Monsieur Strobridge au 5 Dorset Street. Toute aide ou information sera bienvenue. Alors, vous jouez au 5. Parce que... Oh! On va attendre. Tu vois ce monsieur? Tu vois ce monsieur? J'ai besoin que tu le suives et que tu me rapportes tous ces affaires, tes gestes. D'accord, Monsieur Holmes. J'ai jamais fait ça. Éventuellement, je vais peut-être les faire. Alors là, je suis en train de diminuer au niveau de... Ah, c'est calé. Je contrôle... Ce... Je savais pas que je contrôlais lui. J'étais mêlé. Il était où? Ah, il est là. Whitechapel ne change pas. La grâce et les mendiants partout. Non, c'est compliqué que je croyais. Arrête de me suivre, fermez. Shit, je recommence. Ouais, mais je vais me faire péter. Faut que je me casse shit, là. Ça, c'est des nouveaux mécanismes. Je suis pas habitué, hein. Tirons, j'ouvre, pas cher.
T'as l'air d'être un fan de Batman, toi. Ils me laisseront pas passer. Faut que je passe ailleurs. Les riches donnent de la viande à leurs chiens. Moi, je me souviens. Hein? La vie coûte tellement cher de nos jours. Mon fils n'a que 7 ans. Il doit travailler. C'est au boulot. Ah, les gars de la bande des cogneurs. Mieux vaut pas les croiser. Sale gamin. Je pourrais continuer la poursuite en grimpant par la cheminée, mais c'est dangereux. Arrête de chouiner et mets-toi au travail. D'accord, vas-y. J'aimais bien les X-Men, puis ils arrêtaient d'en sortir, on dirait. Hey Gwen, comment ça va, ma bitch préférée? Ah, il est encore là. Ah ouais? Ah tabarnak, c'est sûr que je tombe en bas. Oh. Ah ouais, je pourrais pas endurer ça longtemps. Ouf. Ouais, j'avais jamais fait, moi. Ben là. Chris. Moi, je posais mon temps en haut. Ah, par là. Ah, non. Ah, j'ai compris, t'es trop tard.
Devinez qu'est-ce qu'on peut faire. Devinez qu'est-ce qu'on peut faire. Ravinez de vous. Pas de cachette ici. Je ferais mieux de passer par les jardins. Je suis un pauvre, je pense que je veux. J'ai peut-être une nouvelle idée, Gwen, pas assez motivé à booster mes vues. Ben enfin. Le serreur de Chamber Street. Il est muet parce que son beau-père le tape quand il est sous. C'est trop dangereux d'entrer. Il faut que je sois sûr qu'il ira pas plus loin qu'ici. Hey, Jim! Tu me prêtes ton matériel? Je suis en mission secrète pour Monsieur Holmes. Mm-hmm. Servir, mais avec une petite brosse. Plus vite. Tu dors ou quoi? Voilà pour toi. Crapaud. Parle avec un cocher. Il faut que je me rapproche. Mince, faut que je passe à l'heure. Au moins, il fait bon. Ça, je l'ai la semaine dernière. J'espère que le froid va revenir. J'ai pas de quoi plier le charbon. T'es là, Gwen?
Gwen n'est pas là. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? C'est fermé. C'est fermé. Commence pas à finir tes jeux. C'est trop dangereux d'entrer. Quel jeu te regarde? Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Mazette, ça en fait des trucs chers. Mazette, ça en fait des trucs chers. C'est trop dangereux d'entrer. Pourquoi t'achèterais un jeu que t'as même pas fini tous tes jeux? Toi là. Mazette. Y a que deux personnes qui vivent ici? J'aimerais bien en être, moi. Moi, je me force, je joue une heure par jour. Y a des jeux que ça me... des fois, je commence puis j'aime pas ça, mais je joue rien qu'une heure. Y a que deux personnes qui vivent ici? J'aimerais bien en être, moi. C'est trop dangereux. Ben non. Ce serait que au moins tu serais la plus intelligente. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. C'est trop dangereux d'entrer. Bon, je suis en train de te dire, j'avais peut-être une nouvelle stratégie pour amener des viewers pis tout. En fait, en deux étapes, là. Ouais, pis les nouveaux jeux que t'es supposé sortir. Un blason, ça pourrait aider Monsieur Holmes? Je vais le dessiner. Il y a deux jeux qui sortaient bientôt, qui ont été repoussés à fin 2023. Ça fait chier. Hein.
Il n'y a que deux personnes qui vivent ici. J'aimerais bien en être, moi. Des sacs de nourriture? Elle me plaît, cette maison. Bon, je vais faire mon rapport à M. Holmes. Faut filer d'ici avant de me faire choper. Tu l'as fait, les jeux de Evil Within? Le rapport de Wiggins était intrigant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes? Le médium, je l'ai fini, il fait longtemps. Wiggins a bien travaillé. Je l'avais fini sur la One. Moi. Le blason copié par Wiggins. Bon, ça veut dire ça, faut que je m'en vais à la maison. Voyons comment je fais. Oh, je suis à la maison. Si bas, je pense que je suis encore au bar. De nos jours, cette famille est représentée par Lord Edward Marsh. Et c'est les bienfaiteurs. Il fournit aux indigents de Whitechapel des provisions et des vêtements chauds. Lord Marsh est également l'un des fondateurs de programmes spéciaux d'éducation qui offre aux pauvres l'occasion d'étudier. Lord Marsh vit au Tormanbury Road à Londres. Et voilà. Alors cet homme serait Lord Marsh. Un lord qui s'encanaille au pub. Allons rendre visite à Lord Marsh. Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes œuvres. Moi j'ai une Xbox Series X. Monsieur Holmes, vous avez de la visite. Oh, eh bien dites-lui d'attendre. Je crains que ce ne soit impossible. Cette jeune fille est, comment vous dire, particulièrement impatiente. Pardon? Papa! Kathleen! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé. Toutes les élèves ont été renvoyées chez elles. Comme si ça ne sentait pas déjà le moisi. Je savais même pas qu'il y avait d'enfants. Comment as-tu pu grandir si vite? Tu es la bienvenue. On va te trouver une petite place. Holmes, je lui donne ma chambre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, Kate? Vous êtes sur une nouvelle enquête? Dites-moi, dites-moi! Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette? Comment as-tu deviné? Je l'ai eu jour 1, j'étais chanceux. Tu vas rendre Watson jaloux? D'accord. Bonne chance. Je vais m'installer. Vous pouvez m'aider, Madame Hudson? Donc Gwen, ça t'intéresse de savoir ma stratégie?
ma stratégie afin d'avoir des nouveaux viewers et assez de créer peut-être un nouveau buzz autour de moi de nouveau. Non, je parle pas de Sherlock Holmes, je parle de mes streams. Holmes, au sujet de Kathleen. Oui? Elle a bien grandi. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de lui dire? Lui dire quoi, Watson? Eh bien, pour son père. Jamais. Il n'en est pas question, vous m'entendez? Holmes, vous êtes responsable de la mort de son père. Vous lui devez la vérité. Elle est assez grande. Je la perdrai. Vous ne comprenez pas? Elle ne doit jamais savoir, Watson, c'est clair? Holmes... Watson, elle ne doit pas savoir. Mais premièrement, je créerai des nouveaux... Je paierai quelqu'un pour faire des des nouveaux émoticônes, des affaires pour les mois, des nouvelles pages de... quand je change d'une vue à l'autre. Des animations, des choses comme ça. Ça, ce serait la première étape. Deuxième étape, ça serait un gros prix, quelques prix à gagner, dont un gros prix en argent. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Et que puis-je faire pour vous? Bonjour, Lord Marsh. Mon nom est Sherlock Holmes. Et voici mon collègue et ami, le Dr. Watson. Il pourrait avoir soit une console de ton choix, soit une PS5 ou une Xbox Series X. Puis après ça, ça pourrait être soit 5000 euros peut-être. Je viens de vendre ma maison, là. Je vais avoir 140 000 dans mon compte. Mais le 5000 serait seulement... Comme les prix seraient seulement offerts si je reçois le comme on fait toute la grosse pub, tout, mais si je deviens partenaire, là, il y a un prix à gagner. Tant que je ne suis pas partenaire, il n'y a pas de prix à gagner. C'est correct, mais si je peux avoir mon partenariat, je pourrais faire une affaire de points. À chaque fois que tu viens à chaque jour, plus tu vas avoir de points. Plus tu vas avoir de chances de rentrer dans le concours, etc., etc. Plus tu vas sur les réseaux sociaux. Zut! Mais ça serait seulement avec le partenariat. Si j'ai le partenariat, il va avoir un prix. Si j'ai pas le partenariat, pas de prix à tirer. Dans le partenariat que ça fait avoir... Il faut une constance de 75 viewers et plus. Je suis en train de penser. Je pourrais payer une publicité sur certains viewers. Comme Denis Talbot. Hey, ils ont changé ça. Ça vient compliquer ces affaires-là. Hey, je l'ai eu. Complet. dans le jeu Crime and Punishment, as-tu checké à la fin? Tu pouvais vérifier dans ta carnet, puis quand tu appuyais sur Select, tu pouvais voir si ça venait vert ou rouge. Moi, j'en ai eu deux rouges.
Ouais, mais des prix comme ça, ça attire pas assez de monde. Il faut un prix qui est grand assez pour faire un buzz autour. Et le prix est seulement tiré si j'ai le partenariat. Puis il pourrait avoir des prix en attendant à chaque semaine, des choses comme ça, c'est sûr. Mais avant de tout faire ça, faudrait que je préparais mon live un petit peu mieux. Nouveau matériel. Non, c'est pas ça que je veux faire. Nouveau matériel, puis nouveau graphique. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fischer. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Je suis touché. Comme je te dis, si j'ai le partenariat, je m'en fous des abuseurs, ils m'ont ramené quand même au point que je voulais. Combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah, oui. Et c'est sûr qu'il faudra l'animation que j'avais avant. Mais l'animation que j'avais avant venait avec les viewers. C'est sûr que je peux pas être un style mongol quand je suis... C'est ça, rempli d'objets, de vêtements et de livres pour les nécessiteux. C'est admirable. Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis, à mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fischer, qui est aussi mon médecin. C'est étrange. Votre visage m'est familier, docteur. Curieusement, il m'évoque Whitechapel. Quel sens de l'observation. C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial? Puis-je savoir de quoi il s'agit? Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. N'est-ce pas? Pour comprendre le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh depuis toujours. Oh, le docteur Fischer et son goût du romanesque. Enfin, passons. Pardonnez-moi, Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson? C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, my lord? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je me sens déjà mieux. Dans ce cas, pourquoi prenez-vous des antalgiques aussi puissants? Que voulez-vous dire? Monsieur Holmes fait allusion aux pilules sur la table. Désolé, je suis tenu au secret médical. Lord Marsh a une conviction: aider les nécessiteux. Non. Il me connaît. Lord Marsh aide même les hôpitaux. Des provisions pour les indigents de Whitechapel. L'année passée, 3 orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Lord Marsh, pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, mes chers camarades, Lord Collins et Lord Harrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Chaque chose en son temps, my lord. Ouais, mais si je donne juste des cartes de 10€, puis il n'y a pas de gros prix majeur, ça n'aurait pas d'impact. Je sais, je l'ai déjà fait. Je
Cher Lord Marge, voici la liste des participants sélectionnés pour le programme spécial d'éducation d'octobre. Cet événement semble très prometteur, j'ai hâte d'y être. Ce nom ne me dit rien. Ce nom ne me dit rien. John Strawbridge. J'ai déjà vu ce nom. Il figurait sur l'avis de recherche. Il a disparu. Lord Marsh, avez-vous une idée du nombre de personnes dont vous avez... Changé l'existence. Oh, vous exagérez, Monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Une famille très nombreuse, j'imagine. Oui, la liste serait plus longue que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. C'est Fisher qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste ? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger ce turbo. Point, Monsieur Holmes. Je comprends. Laisse finir ce bout-là, change. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme d'éducation. Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, monsieur. Pareillement, Monsieur Holmes. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Oh, ça va, mon turbo. As-tu mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? Il n'existe aucun lien entre le travail spécial dont parle George Burrs et le programme spécial d'éducation. Il existe un lien entre le travail et le programme, j'imagine. Okay, je peux encore fouiller dedans. Je vois quand. Okay. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, The Devil Daughter, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!